Ça fume ? Ça fumait. Ça fumait. Bon. C'est pas très grave. Non. Il y a un collier qui a sauté et il y a une durite d'eau qui s'est déboîtée. On change le collier, on remet la durite, on remet de l'eau et on va repartir. Ça repart pour un tour. Fais ça bien, hein. Charles bien. Trop serré, c'est peut-être ça le problème. Ça va, tu veux un peu d'aide? Ah, tu baisses le pantalon. Bon allez, on est reparti. Paye l'apéro, hein. La première sortie de piste. Juste après le pont, vous avez du bal, hein. Allez, vas-y, faut que tu choques, hein. Allez. Bon, les deux voitures sont tankées. Allez, poussez. On le détache, on essaie de reculer. Plus fort, poussez plus fort. Allez. Mais celle-ci à l'avant, peut-être. Comment? Mais celle-là. Il y a des gars sur le côté. Bon, là, un petit problème là, la voiture veut plus démarrer. Alors non seulement il n'y a pas de chance parce qu'on il a fait 10 mètres et il a cassé un demi-arbre de roue. Et là, il ne veut plus démarrer. Donc on ne peut pas redescendre dans la montagne, on est coincé. Mais on va réparer, on va trouver la solution. Assistance Baroudland en cours. Et oh. Avec sourire, sauf nous. On a déjà perdu deux voitures. Exact. Il y a la vôtre et puis il y a le Toyota qui fumait, qui a fait demi-tour. Bon départ, mauvaise arrivée. Bon alors, la tension, ça donne quoi, hein? Donc on redescend, on a laissé le Rubicon dans la montagne, il va absolument pas démarrer. Donc on va essayer de trouver un tracteur forestier parce que c'est quand même assez scabreux de redescendre avec une barre de remorquage. Donc on va aller chercher un tracteur forestier et on va ramener la voiture à la route. Journée compliquée ce premier jour du deuxième groupe. Ah, c'est une patinoire. Des clous dans la voiture.